généalogie qui était l'état naturel d'un être humain du bien pensé, on va dire. Une manière de s'en rendre compte, tout simplement, c'est Georges Boulle en 1854 qui a publié en fait un livre qui est un livre d'algèbre hein, où les éléments de l'algèbre de Boulle sont développés. Et bien ce livre, vous voyez le titre qui est affiché, ce livre a été appelé les lois de la pensée, c'est le titre qu'il lui a donné, parce que dans son esprit le fait de découvrir les lois de la logique, c'était quasiment similaire avec l'idée de comprendre les mécanismes qui régissent la pensée bien formée. Et vous voyez que dans son introduction, c'est l'extrait d'introduction de son ouvrage, étudier les lois fondamentales des opérations de l'esprit, les exprimer dans le langage symbolique du calcul. Il y a donc ce lien qui est fait entre une pensée et puis une manière logique de l'exprimer. Donc si on décompose un peu ce que je viens de vous dire, hein, vous voyez que s'il y a cette idée générale qui reste d'ailleurs un peu présente dans la psychologie naïve, hein, qui est que un raisonnement adulte, un raisonnement bien construit est guidé par les lois de la logique, et on s'en rend compte notamment dans le vocabulaire usuel, hein, dans le vocabulaire usuel, vous voyez quand je dis raisonner, être doué de raison, être rationnel, être logique, on peut avoir tendance à utiliser ces termes de manière un petit peu interchangeable, hein, comme si raisonner et être rationnel ou être logique, on voulait dire un petit peu la même chose lorsqu'on emploie ces termes. Et c'est une des raisons pour laquelle la psychologie a mis beaucoup de temps à s'intéresser au raisonnement adulte. Et c'est tout à fait frappant lorsqu'on regarde les travaux de psychologie expérimentale au XXe siècle. On a une floraison très très importante de travaux sur le raisonnement de l'enfant et très peu sur le raisonnement de l'adulte. Parce qu'il y avait cette idée que c'était intéressant d'étudier la manière dont le raisonnement évoluait, mais qu'arrivé à un certain état, de toute façon, c'était plus la peine de s'y intéresser parce qu'il y avait déjà une discipline qui était faite pour ça, qui était déjà constituée, une discipline à la frontière des mathématiques et de la philosophie qui s'appelle la logique. Et donc les psychologues ne trouvaient pas d'intérêt d'aller empiéter sur ce terrain. Et donc il faut de ce fait attendre assez tard, hein, comme je vais vous dire dans quelques minutes, pour trouver des études vraiment sur le raisonnement adulte. Et parallèlement, il y avait aussi, c'est toujours un peu des idées de psychologie quotidienne, hein, que les enfants, à l'inverse, eux, avaient un mode de pensée qui était beaucoup plus éloigné de la logique. Et donc, vous voyez que, naturellement, il y a une espèce de modèle naïf, là aussi, qui se présente à nous, qui serait un espèce de modèle de convergence, de progression par palier, avec l'idée qu'on a un enfant qui naîtrait avec très très peu de lien avec la logique, et puis que, étape par étape, on s'intéresse à un rapprochement, ce qui suivrait des lois qui seraient bien sûr à déterminer par les psychologues, mais il y aurait ce modèle de la convergence par palier, Michel a évoqué la théorie de Piaget, qui est un très très bon exemple de ce contexte, hein, dans lequel il y a l'idée qu'on va passer différents stades, jusqu'à un stade qui est nommé stade des opérations formelles, pour lequel, cette fois, les opérations pensées d'un être humain qui n'a pas de difficulté particulière de raisonnement sont conformes à la logique. Alors, ce type de modèle du raisonnement n'a à peu près plus cours en psychologie, c'est-à-dire qu'actuellement, on peut dire que tous les modèles de développement de la pensée sont des modèles vraiment, pour faire vite, on va dire polyfactoriels, polydimensionnels, c'est-à-dire qui vont étudier le développement sous une diversité d'aspects, qui vont dépendre d'une diversité de facteurs et qui vont évacuer cette idée de palier qui mène à un état stable bien identifié. D'accord ? Donc on peut se développer de maintes manières, sur les mêmes dimensions, et pour atterrir à des... pour atteindre, pardon, des états qui peuvent avoir maintes formes aussi. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans,
on n'est plus dans cette logique. C'est pas le cœur de ma conférence, parce qu'on va très vite passer à l'analogie, mais je pense que c'est important d'avoir ce cadre comme perspective. Alors, une des raisons, qui c'est pas la seule, mais une raison importante qui a fait que cette idée a été beaucoup remise en cause, ben c'est justement parce qu'à partir des années 60, il y a des travaux empiriques qui se sont intéressés particulièrement au raisonnement adulte, et notamment un psychologue anglais qui s'appelle Peter Wason, qui, dans les années 60, a introduit toute une série de tâches expérimentales qui ont d'ailleurs eu une postérité importante, parce qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'articles qui ont été publiés en reprenant les paradigmes qu'il a initiés. Et le principe général de ces travaux, là encore, ce n'est pas vraiment l'objet, je ne m'y attarderai pas, mais le principe général de ces travaux, c'est de construire des situations, de les soumettre à des humains et de comparer la réponse humaine avec la réponse logiquement conforme et de s'intéresser aux écarts, d'accord, déjà de noter les écarts et ensuite de chercher à les comprendre. Et ça a donné lieu à toute une littérature dont une des descendances, on peut dire, sont les travaux de Tversky et Kahneman qui ont amené le prix Nobel à Daniel Kahneman sur la question des biais de raisonnement. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que dans certains contextes, on peut avoir des écarts absolument massifs entre ce que produit la logique et puis ce que formule l'être humain ? Et à l'inverse, il y a aussi des travaux sur le raisonnement de l'enfant qui, eux, ont montré que les enfants étaient beaucoup moins alogiques, entre guillemets, qu'on l'avait longtemps cru, et que, en particulier, pour certaines tâches, dans certains contextes, ils pouvaient avoir des performances tout à fait importantes, et en particulier, concernant le raisonnement par analogie, parce que ça va être l'objet principal du temps qu'on va passer ensemble, eh bien, on s'est rendu compte que les enfants faisaient des analogies beaucoup, beaucoup plus tôt que ne le pensait Piaget, parce que dans la théorie piagétienne, les analogies arrivaient assez tard, plutôt vers 8, 9, 10 ans que très jeune, ce qui était largement contredit. Et puis, un effet en particulier qui a été observé, qui a été beaucoup documenté, c'est la question des effets de contenu. Et les effets de contenu, alors comme vous voyez la façon dont je l'ai formulé, les effets de contenu interfèrent, voire l'emportent sur la maturation, eh bien, c'est une façon de dire que l'évolution en âge, en fait, souvent va avoir un effet moins important que la nature des tâches que l'on donne au sujet. Et alors, un exemple, on aurait pu passer quasiment une demi-heure sur le sujet sans difficulté, mais un exemple juste pour illustrer cette idée d'effet de contenu, c'est que si vous prenez un syllogisme comme celui qui est indiqué en haut de l'écran, de type tous les Y sont X, tous les Z sont X, est-ce que sur une base strictement logique, c'est sur la base de la conformité, de la rigueur du raisonnement, est-ce que on peut conclure que tous les Z sont Y? Alors je vois des hochements de tête des approbateurs justifiés. Effectivement, on ne peut pas le conclure. Simplement, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'en fonction du contenu des prémices, c'est-à-dire la manière dont en fait on va instancier ce raisonnement formel en variant la manière de l'instancier, eh bien, on va produire quasiment la performance qu'on veut sur une population, parce que on peut jouer sur la congruence entre cette conclusion logique et puis nos connaissances du monde. D'accord ? Et si jamais la conclusion est conforme à nos connaissances du monde, elle devient très tentante. Et vous voyez que dans le cas suivant, tout ce qui est vivant a besoin d'eau, toutes les roses ont besoin d'eau. Est-ce que, là encore, on est très attentif à ce que la tâche précise bien qu'il s'agit d'une tâche de logique, il ne s'agit pas de se prononcer sur la véracité de la conclusion, mais sur la conformité logique de ce raisonnement. Eh bien, on a quand même 70% d'étudiants à l'université
qui réussissent plutôt, enfin, correctement leurs études, hein, on va dire, et qui considèrent que ce raisonnement est incontestable. Et vous voyez que si jamais on essaye un peu de neutraliser l'effet de croyance, l'effet de connaissance, alors est-ce qu'il est bien neutralisé ou pas, on peut en discuter, mais vous voyez que de 70%, on passe à 20%. Là, on imagine qu'on a mis les sujets, on leur dit vous rentrez dans une planète exotique et puis il y a des espèces d'animaux inconnus. Est-ce que ce raisonnement est juste? Vous voyez qu'on tombe à 20%. Mais ce qui est aussi notable, c'est le dernier cas. Parce que dans le dernier cas, vous voyez que c'est une autre instanciation du même syllogisme. D'accord ? Simplement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rendu la conclusion incongruente avec les connaissances, incompatible avec nos connaissances. Et cette fois, alors, d'une certaine façon, on peut dire que les sujets font preuve d'une parfaite logique dans le sens où ils sont 100% à avoir raison. Mais, bien sûr, il est important de ne pas perdre de vue que ces mêmes sujets commettent aussi 70% d'erreurs à la première tâche. D'accord ? Donc vous voyez que se pose la question de qu'est-ce qu'on mesure en termes de compétences logiques avec ces tâches. En tout cas, on met en évidence la dépendance aux effets de contenu. Alors, cette introduction, elle est là surtout pour dire qu'il y a une place au questionnement sur ce qui fait vraiment marcher notre pensée. D'accord ? C'est-à-dire que la logique n'est pas la seule manière d'envisager notre façon de penser en général et notre façon de raisonner en particulier. Et donc, on va parler d'un autre candidat que la logique. Et ce candidat, justement, c'est l'analogie. Alors, pourquoi l'analogie ? Qu'est-ce qui motive le fait de s'intéresser à l'analogie et de considérer que c'est une bonne alternative, que c'est une alternative intéressante à l'idée de la logique omniprésente, centrale, au cœur de la pensée ? Alors, quelques éléments de réflexion. C'est que, d'abord, je pense qu'on fait assez souvent cet effort, c'est très difficile de le faire, mais d'imaginer qu'est-ce que ça voudrait vraiment dire un regard neuf. D'accord ? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si on était plongé dans un univers dans lequel on n'a absolument aucun repère, dans lequel on ne puisse mobiliser aucune de nos connaissances, dans lequel tout soit complètement nouveau. D'accord ? Eh bien, si on essaye de se représenter ça, une façon de le transposer, ça serait, je dirais, une version de nous-mêmes, mais comme un nouveau-né, d'accord, qui arriverait au monde, qui n'aurait aucune connaissance sur la nature de ce en quoi est constitué son environnement, des lois qui le régissent, de la notion de matérialité, la nature des objets, etc., eh bien, on se rend compte à quel point on serait complètement démuni. D'accord ? Et donc, il y a cette idée de l'importance de pouvoir mettre à profit nos connaissances. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre vie, dans chaque microseconde cognitive que l'on expérimente, eh bien, en fait, on est en permanence en train de mettre à profit notre expérience du monde, nos connaissances. D'accord ? Et que si on essayait d'imaginer une cognition qui évacuerait complètement le passé, on voit à quel point on serait vraiment tout à fait incapable de faire face. D'accord ? Et donc, ça, c'est une raison, bien sûr, pour s'intéresser à l'analogie, parce que l'analogie va justement être ce pont entre le présent et le passé. Et donc, il y a cette idée de ramener l'inconnu au connu. C'est-à-dire aussi une autre façon de le voir, hein, c'est ce qui est indiqué par la suite, c'est que chaque événement que l'on vit, toujours unique, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à passer d'un événement singulier à un autre événement singulier. Par exemple, c'est la première fois qu'on se retrouve tous ensemble dans cette salle, c'est la première fois que... Il y a plein de choses qui sont totalement uniques dans l'instant qu'on est en train de vivre, et en même temps, cette singularité... On a la capacité, assez extraordinaire, hein, d'une certaine manière, de la ramener à du connu. D'accord ? Et donc, on peut sauter en permanence de la généralisation à la singularisation. Et
C'est là que vraiment se situe le cœur de l'idée de l'analogie, c'est que l'analogie, c'est des comparaisons mentales que l'on va faire à de très nombreux niveaux, c'est-à-dire que ça concerne des niveaux aussi élémentaires que le choix de chaque mot que l'on fait dans une phrase, à des niveaux très très généraux, comme une façon de voir qu'une idée, quelque chose de très abstrait dans un phénomène complexe. Hein. Donc j'essaierai de rentrer un peu dans ces différents niveaux au cours de cette conférence. Et puis, la dernière idée importante hein, ici, c'est la question de l'adaptation, c'est-à-dire que le fait de ramener l'inconnu au connu, ben, c'est une manière de... c'est quelque chose d'extrêmement adaptatif, d'accord ? Parce qu'on fait bénéficier au présent de l'expérience de notre passé, et c'est une façon à faible coût cognitif de permettre de mobiliser des connaissances très riches. Alors, souvent, on ne mesure pas à quel point on mobilise énormément de connaissances dans parfois quelques micro-gestes que l'on fait, quelques comportements que l'on ait, la simple manière dont on a ouvrir une porte, par exemple, ça, en fait, ça mobilise beaucoup de connaissances de notre passé, ou si on arrive dans une chambre d'hôtel, qu'on veut utiliser la douche, il faut penser à toutes les micro-analogies qu'on fait pour utiliser cette douche qu'on n'a pourtant jamais vue et avec laquelle on va se sentir sans doute potentiellement à l'aise. Alors, si on va maintenant peut-être essayer de décortiquer un petit peu plus les choses. Alors déjà, quand on parle d'analogie, il y a presque une confusion à éviter. Je crois que c'est aussi simple de l'avoir comme ça. C'est que l'analogie, souvent, on l'associe à Aristote. Et quand on l'associe à Aristote, on l'associe aux analogies à quatre termes. Et les analogies à quatre termes, ce sont ce qu'on appelle aussi des analogies proportionnelles. C'est l'idée qu'on a une relation qu'on peut exprimer sous la forme D est à C, ce que B est à A. Alors, vous en voyez un exemple ici entre la maison pour l'homme et la niche pour le chien, qui, en fait, conduit... Alors, dans l'esprit d'Aristote, l'analogie, c'était une des figures qui permettait de comprendre les différents modes de raisonnement qui existaient. Donc, Aristote avait un objectif bien précis qui était d'identifier les formes de raisonnement possibles, et l'analogie était une des figures de raisonnement possibles. Et dans ce cadre, l'analogie qu'on appelle maintenant analogie proportionnelle ou à quatre termes, a été développée. Alors, ça correspond à un sens qu'on peut considérer comme désuet du terme analogie, c'est-à-dire que ça ne correspond pas aux travaux contemporains sur l'analogie, à part dans des domaines très spécifiques, comme certains tests de développement verbal ou des tests d'intelligence, mais pas dans le sens de l'analogie comme phénomène cognitif. Et à l'inverse, à partir des années 1980, donc maintenant il y a à peu près 35 ans, il y a des travaux qui, eux, se sont beaucoup développés sur la question justement de l'analogie comme phénomène adaptatif. Et quand on s'intéresse à l'analogie dans cette perspective, qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien... il n'y a pas besoin de penser à cette proportionnalité, il y a simplement une cible et une source. D'accord ? Donc, en un sens, c'est un peu comme ce que Michel disait tout à l'heure quand il s'agissait d'avoir quelque chose de simple. On a deux éléments au lieu de quatre, on y a gagné. Et simplement, là où les choses se complexifient, bien sûr, c'est que autant il est toujours indispensable qu'il y ait une source et une cible, par contre, les relations qui existent entre cette source et cette cible deviennent, elles, extrêmement riches et complexes, contrairement aux analogies proportionnelles où il y a simplement une relation partagée. Alors, pour avancer encore... l'analogie, il y a en gros... il y a un petit décalage entre ce que vous voyez d'afficher et le transparent, parce que le E d'analogie a sauté, mais bon, je pense que c'est pas très grave, il est devant mes yeux ici. Et donc l'analogie, comme je vous disais, il y a une première
première vision stéréotypée, qui est cette idée des analogies à quatre termes. Alors, vous en avez quelques exemples ici. Si on regarde les deux derniers, c'est une façon aussi de se rendre compte que les analogies, il n'y a pas une bonne réponse forcément, d'accord ? C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a une relation partagée, cette relation, elle peut être assez variée. Et par exemple, si on fait un petit sondage et qu'on essaye de savoir quelle est, à votre avis, la tour Eiffel de Bruxelles, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, donc je décèle Atomium et Manneken Pis. En général, il y a à peu près trois quarts de Manneken Pis et un quart d'Atomium, mais je ne sais pas si ça correspond à l'Assemblée ici. Mais vous voyez qu'il y a deux réponses qui émergent, d'accord ? Et de la même façon, quel serait le Grand Canyon de l'Égypte ? On peut voir différentes relations. Et puis, l'autre vision de l'analogie qui est tout aussi stéréotypée que la première, mais elle, je dirais que c'est un stéréotype qui est peut-être un peu plus subtil, mais qu'il est aussi important de dépasser pour des raisons qu'on va voir très vite, c'est qu'il y a l'idée que faire une analogie, c'est mettre en rapport des choses qui appartiennent à des domaines différents. D'accord ? Donc, il y a l'idée de l'analogie comme rapprochement de domaines lointains, en tout cas différents. Et vous voyez que tous ces exemples, alors le premier, c'est une citation extraite d'un ouvrage d'Henri Poincaré qui décrit à un moment une illumination analogique qui a été très fructueuse dans la suite de ses travaux. Et donc, il explique, c'était un moment, il prenait le tram et tout d'un coup, il a eu cette illumination qu'il pouvait faire une analogie entre les transformations de forme ternaire indéterminée et celle de la géométrie non euclidienne. Donc, vous voyez deux domaines que l'on rapproche. Et puis, dans les cas qui suivent, là encore, on repère à chaque fois qu'on a d'un côté une source, d'un côté une cible, et à chaque fois des domaines différents. D'accord ? Et ça, tout le monde dirait, oui, ce sont des analogies. Ça rencontre complètement notre stéréotype de l'analogie. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi un stéréotype ? C'est-à-dire aussi, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin ? C'est parce que, en fait, la plupart des analogies que l'on réalise, c'est-à-dire celles qui sont vraiment, le pain quotidien de notre cognition, ce sont au contraire des analogies entre des choses très proches. D'accord ? Donc, j'ai pris l'exemple, par exemple, de prendre sa douche dans un endroit dans lequel on va pour la première fois. En fait, on fait plein de micro-analogies avec les choses les plus proches possibles. Et plus c'est proche, plus on a des chances que l'analogie marche bien. D'accord ? Donc, vous voyez que ça donne une toute autre perspective sur l'analogie. Bien sûr, on peut discuter de ce continuum entre l'extrême proximité et la variée, et au contraire, le fait d'être dans des domaines distincts, mais on se rend compte en tout cas que ce n'est pas la seule façon de voir l'analogie, qu'on peut tout à fait, à l'inverse, s'intéresser à la proximité. Et je peux m'appuyer sur cette diapositive pour faire la transition. Et que, en fait, un aspect qui va être totalement essentiel dans l'idée d'analogie, en fait, c'est que une façon de voir l'analogie, c'est de se dire qu'est-ce qui fait le même. C'est-à-dire que quand on dit qu'on trouve une analogie, on fait une relation entre une source et une cible, c'est qu'on peut dire ce sont les mêmes choses. Bien sûr, toute la subtilité ici est qu'est-ce que ça veut dire le même, hein, d'accord ? Mais cette façon de repérer le même, de repérer à chaque fois des invariants de tout niveau d'abstraction, de tout niveau de complexité, c'est une façon d'entrer dans la question, c'est-à-dire de se dire, deux entités, deux événements sont analogues si on peut considérer que ce sont les mêmes sous une certaine perspective. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de projeté ? Qu'est-ce que vous diriez ? Ce sont des clés, d'accord ? Alors, l'exemple me semble intéressant parce que,
probablement, il y a une quinzaine d'années, on aurait eu tendance à penser que, à droite, c'est sans doute un peu moins une clé qu'à gauche, ou qu'en tout cas, le fait d'appeler clé cette carte magnétique, c'était une espèce de métaphore, d'analogie en référence au concept de clé. Maintenant, on l'a assez bien, on va dire, digéré dans la catégorie des clés, et on se rend compte de la manière dont, là encore, progressivement, les concepts se construisent, parce que ce qui, au départ, semble un rapprochement un petit peu osé, un petit peu original entre deux objets, de dire, ah, tiens, allez appeler clé une carte magnétique, quelle drôle d'idée, ça paraît maintenant tout à fait naturel. Et vous voyez que, du coup, on peut se dire, oui, ce sont les mêmes, il y a une analogie, et est-ce qu'ils appartiennent à des domaines proches ou des domaines éloignés ? Ben, c'est pas très important, là. D'accord ? On voit que de savoir est-ce qu'on est dans deux champs différents ou deux champs pas différents, ça perd toute sa pertinence. Bon. En revanche, on rentre dans la question des concepts, vous voyez, c'est-à-dire de comment se construisent des concepts et qu'est-ce qui fait le cœur du développement des analogies. Alors une autre illustration qu'on peut prendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Cahuzac. D'accord, vous serez d'accord que quand on utilise l'expression, on fait une analogie. Et cette analogie, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une expression qui a fleuri très très vite dans la presse quand Jérôme Cahuzac a démissionné il y a maintenant environ 2 ans. Et vous voyez les titres d'un certain nombre de journaux, « Nous sommes tous des Cahuzac »,« Bruxelles peut-elle se garder des Cahuzac »,« Nous sommes tous des Jérôme Cahuzac ». Alors, qu'est-ce que c'est un Cahuzac, du coup, qu'est-ce qui permet de construire cette analogie? Alors, on ne va peut-être pas faire le débat tout de suite, hein, mais vous voyez que le simple fait qu'on parte d'un événement qui se produit et que cet événement devienne une étiquette lexicale qui désigne quelque chose qui va bien au-delà de lui-même... ça, c'est un signe très fort, parce que c'est un signe très fort de la cognition humaine, qui est que lorsque quelque chose se produit, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des analogues, on va chercher des mêmes. D'accord? Alors, en particulier, les mêmes, qu'est-ce que c'est? C'est de se demander jusqu'où ce phénomène Jérôme Cahuzac est généralisable, c'est-à-dire quel est... nous sommes tous des Jérôme Cahuzac, c'est exactement cette question qui est posée, hein, c'est jusqu'où est-ce que cette analogie peut porter. Et puis, on peut repérer que, par exemple, à la même époque, je pense qu'un bon nombre d'entre vous vont s'en souvenir, il y avait le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui a démissionné, et qui a démissionné parce qu'il avait plagié, parce qu'il avait usurpé le titre d'agrégé de philosophie. Et si on regarde là encore la presse de l'époque, eh bien, de façon très très fréquente, hein, vous pouvez chercher sur Google Cahuzac Bernheim, et vous verrez que de façon systématique, l'analogie est faite, et on dit Gilles Bernheim, c'est le Cahuzac de la communauté juive. Bon, parce que... Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'en fait, c'est une analogie intéressante. C'est-à-dire, c'est pas en général quand le concept prend, quand le terme prend, c'est qu'il y a une raison. Et ici, on se rend compte que Jérôme Cahuzac, c'est quelqu'un qui était censé incarner une certaine probité, en l'occurrence la probité fiscale. Il était le représentant le plus haut au niveau de l'État de cette probité, et il a péché exactement là où il était censé être sans défaut. Et Gilles Bernheim a fait un peu la même chose, c'est-à-dire il était supposé incarner une probité morale, intellectuelle, spirituelle, et il a péché exactement là où il devait être sans défaut. Donc l'analogie est presque criante. Je vois des mous, mais qu'on pourra approfondir. Hein, toutes les analogies se,
peuvent se discuter. La notion de même, c'est une notion éminemment fluide. Hein. En tout cas, ce qui est massif, c'est que ce phénomène qui consiste à en fait, partir de quelque chose de singulier, d'une personne, d'un événement, et en faire une étiquette lexicale pour un concept, c'est-à-dire comme l'exemple de Cahuzac, c'est quelque chose qui est cognitivement assez naturel, et bien entendu, aucun de ces exemples n'est inventé, hein, c'est pas Douglas et moi qui nous sommes amusés à lancer des noms, c'est que vous pouvez tous les trouver sur Google, par exemple, en l'occurrence, et... ne me demandez pas qui est le Björn Borg de la presse espagnole, hein, je serais bien en peine de vous répondre, mais je peux par contre vous promettre qu'il existe. Hein. Usain Bolt des sciences politiques, c'est quoi ? Non. Ce qu'on... Une caractéristique également de la manière dont fonctionne l'analogie et ce qu'elle permet de développer, c'est d'aller vers l'abstraction et d'aller vers l'abstraction d'une manière justement qui en fait un concurrent très sérieux par rapport à l'idée qu'on a de la mise en œuvre d'inférences logiques qui permettrait d'une manière un peu... comme quoi la force de la logique permettrait d'aboutir à l'abstraction. Ici, on voit qu'il y a une façon de faire quand même assez profondément différente, mais dont l'efficacité semble assez redoutable. Alors, l'exemple en question... Alors, si vous voyez ces deux photographies... Je pense que parmi les choses qui émergent, il y a cette tache noire sous les deux arbres. D'accord ? Et si on analyse un peu plus ces photos, on voit qu'à gauche, il y a du soleil. On comprend assez naturellement qu'il s'agit de l'ombre sous l'arbre. Mais à droite, en fait, il n'y a pas de soleil. Le ciel est totalement nuageux. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut être ? D'accord ? Vous voyez qu'assez vite, on peut avoir l'idée que c'est s'il y a bien une tache sombre, mais c'est qu'il a neigé, et c'est l'absence de neige. Alors la question qu'on peut se poser ensemble, c'est est-ce que cette analogie perceptive qu'on peut faire entre ces deux images, est-ce qu'elle est simplement perceptive ou est-ce qu'elle a un intérêt conceptuel ? Et si elle a un intérêt conceptuel, c'est de savoir est-ce que la notion d'ombre... qui s'applique évidemment à gauche, est-ce qu'elle s'applique aussi à droite ? Et si on approfondit un petit peu les choses, on voit que par analogie, on est en train d'étendre la notion d'ombre, et on est en train de l'étendre d'une manière qui n'est pas déraisonnable du tout. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui caractérise une ombre ? C'est le fait qu'il y a un certain médium, qui, avec un certain flux de ce médium, et puis il y a un obstacle. Et il y a un certain endroit où on perçoit la trace qui est laissée par l'absence de ce médium du fait de l'obstacle. Bon, voilà, on est en train de généraliser par analogie la notion d'ombre. C'est une généralisation assez raisonnable, hein, Je pense que vous en serez d'accord, en tout cas, je l'espère. Et cette généralisation, en fait, rejoint certains usages, même assez techniques, assez scientifiques. Par exemple, en géographie, il y a la notion d'ombre pluviale. Et la notion d'ombre pluviale, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la trace laissée par l'absence de pluie, hein, c'est un petit peu plus sophistiqué que cela, c'est le fait que lorsqu'il y a des chaînes de montagnes qui sont hautes, elles vont bloquer les nuages. Et donc, on peut se retrouver dans des cadres où on a des environnements très, très luxuriants, sauf dans la zone pour lesquelles les nuages n'ont pas pu passer. Et ça pour les géographes, ça va s'appeler une ombre pluviale. Et puis, en démographie, on va parfois parler, par exemple, de l'ombre qui a été portée par la Seconde Guerre mondiale sur la natalité.
D'accord. Et vous voyez qu'à chaque fois, on peut repérer de quel flux est-ce qu'on parle, quel est l'obstacle et comment on perçoit cette trace. Donc cette analogie paraît tout à fait pertinente et de la même manière, si on étudie tout un ensemble de découvertes scientifiques, hein, comment des concepts ont émergé, le concept de lune par exemple, comment est-ce que la lune a perdu sa minuscule ? C'est Galilée qui a fait perdre à la lune sa minuscule parce que pour Galilée, il y avait une seule lune, c'était le satellite qui tournait autour de la Terre. D'accord ? Et donc, vous voyez que de la même façon qu'on peut chercher qui sont les Cahuzac, on peut se demander où sont les lunes. Qu'est-ce qui fait qu'on ait une lune ? Tout comme on a cherché à savoir qu'est-ce qui faisait une ombre. Et on est dans la même démarche hein, de jusqu'où est-ce qu'on peut dire que c'est le même et qu'il y a certaines propriétés qui finalement n'étaient pas si riches qu'on peut s'en passer et que l'analogie va prendre encore plus de force lorsqu'on décide d'éliminer certaines caractéristiques, en l'occurrence que ça soit qu'on ait besoin de tourner autour de la Terre. Ce n'est pas si important pour être une lune. Alors, vous voyez que ce qu'on est en train de dessiner ensemble, hein, c'est, j'espère que c'est un petit peu clair maintenant, c'est la façon dont les concepts vont se construire hein, et que la façon dont un concept se construit, c'est lié à une succession d'analogies, au départ très très basique, très très perceptif, très très expérientiel, et puis qui peuvent devenir éventuellement beaucoup plus conceptuels. Mais en tout cas, il y a une agrégation progressive d'analogies dont j'ai essayé de vous faire partager un peu le cheminement, et que ces analogies vont concerner à la fois la construction des concepts, mais également leur évocation. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a deux facettes. Il y a comment se développent les concepts dans l'esprit et puis comment, dans une situation donnée, j'évoque quelque chose. Alors, pour encore progresser un peu dans cette direction, pour comprendre un peu mieux de quoi on parle, on a besoin de dépasser une autre vision stéréotypée. Et cette fois, c'est celle de la catégorisation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une catégorie ? Bien sûr, on parle de psychologie, c'est-à-dire on parle des catégories mentales. Et pour cela, eh bien, ce qu'on a besoin de faire, c'est, là encore, de mettre en retrait une vision naïve de ce que sont les catégories mentales. Et la vision naïve, elle est assez facile à identifier, c'est que cette vision naïve, c'est l'idée d'une boîte mentale. D'accord ? C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on parle de catégorie, on a tendance à penser qu'on parle de boîte mentale. D'ailleurs, dans le vocabulaire quotidien, souvent, quand vous parlez de catégorie, les gens vont réagir en disant « j'aime pas être mis dans une case », d'accord ? Comme si catégoriser, c'était mettre dans des cases. D'accord ? Alors ça, c'est une idée qui est cognitivement totalement fausse, d'accord ? Parce que les catégories mentales ne ressemblent absolument pas à cela. Et alors, à l'inverse, hein, qu'est-ce que c'est qu'une catégorie mentale ? C'est justement le résultat d'une succession d'analogies qui fait qu'elle n'a pas du tout les caractéristiques d'une boîte. Je vais vous l'expliquer je vais essayer d'être à la fois précis et rapide, qu'on ait un temps de discussion suffisant. Alors, quand on parle des boîtes, une autre façon de les définir, hein, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps l'approche définitoire de la catégorisation, c'était d'imaginer que pour appartenir à une catégorie, il y avait des conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance qui étaient un ensemble de traits, d'accord ? Et que bah, pour être dans la catégorie, c'était facile, il fallait avoir tous les traits, et s'il nous en manquait un, on n'y était plus. D'accord ? Alors vous voyez qu'avec cette logique, effectivement, les catégories sont des boîtes, parce que... ce qui va définir les frontières de la boîte, c'est d'avoir toutes les propriétés. Les frontières sont parfaitement claires, parce qu'on est soit dedans, soit dehors. On fait la liste de propriétés, est-ce qu'on les a ou est-ce qu'on ne les a pas. On dit aussi que les catégories sont homogènes, dans le sens où tout le monde est tout autant membre de sa catégorie.
D'accord, c'est ça l'homogénéité. Et puis, qui n'est pas forcément intrinsèque à cette approche, mais qui est quand même souvent associée, c'est l'idée d'une certaine objectivité, c'est-à-dire on est une table ou on n'est pas une table, et c'est un fait. D'accord. Et donc, l'idée que la catégorisation soit une construction psychologique, ça, c'est plus difficile à intégrer. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne vraiment pas, cette idée ? Alors, la première idée, c'est que si le premier élément, c'est que si on a une approche définitoire, eh bien, on devrait avoir l'idée qu'il y a des définitions. Bon. Et en fait, il n'y a rien qui marche moins bien que trouver des définitions. Et vous pouvez prendre un dictionnaire, n'importe quelle page, pour n'importe quel mot, regarder n'importe quelle définition et chercher ben, pourquoi elle est fausse. D'accord ? Pourquoi elle ne marche pas ? Pourquoi c'est facile de trouver des contre-exemples ? Bon, alors ici, c'est un exemple parce que Wittgenstein avait été un des premiers à interroger ce type de façon de voir la catégorisation. On regarde une définition d'un dictionnaire pourtant qui fait référence, hein, qui est un dictionnaire qui est fait par des lexicographes, qui s'appelle le Trésor de la langue française. Et quand on regarde cette définition, au départ, elle paraît raisonnable. Hein, mais si vous la regardez un peu sous l'angle de conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance, tout s'effondre. Pourquoi tout s'effondre ? Parce que activité divertissante, alors soumise ou non à des règles. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous apprendre que soumise ou non, en termes de conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance, ça saute. D'accord ? Ensuite, vous savez que ça va être pratiqué par les enfants de manière désintéressée et par les adultes à des fins parfois lucratives. Alors, si on essaye de démonter un peu tout ça, alors déjà, il y a un premier mot qui va poser problème, c'est le « parfois ». D'accord ? Donc, conditions nécessaires et suffisantes, ça veut dire que ça n'existe plus. Okay. Et puis, donc, on voit que ça concerne et les enfants et les adultes, donc ce n'est pas discriminant non plus. Et puis, ce qui nous reste vaguement, c'est que pour les enfants, c'est de manière désintéressée. Et puis, alors là, les psychologues qui s'intéressent au jeu chez l'enfant vont ouvrir des grands yeux quand on leur dit que les enfants, pour eux, le jeu, c'est quelque chose de désintéressé. D'accord ? Et vous pouvez regarder, vous prenez la définition de ce que vous voulez, le même phénomène va se produire. D'accord ? Donc, le problème des conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance, c'est qu'on ne les trouve jamais. Autre exemple, hein, bon, on prend le premier mot du dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un A majuscule ou grand A ? Et puis, vous voyez la définition de forme triangulaire caractéristique. Déjà, c'est un petit peu vague. Hein. Et puis, si vous cherchez à représenter plein de A, essayer de trouver, là encore, une condition nécessaire et suffisante d'appartenance à la catégorie des A. Pourtant, sans grands efforts, on les reconnaît à peu près tous comme des A. Et un autre aspect, c'est que c'est vraiment pas une question d'expertise. Et même, on peut presque dire l'inverse. C'est-à-dire que les travaux sur l'expertise ont tendance à montrer que plus on est expert dans un domaine, eh bien, plus on se met à interroger les définitions. D'accord ? Et plus on est expert dans un domaine, plus il y a des débats sur les définitions. Et vous voyez ici un extrait d'une conférence, en l'occurrence, sur la physique des métaux, où le conférencier commence d'une manière un petit peu provocante, mais tout à fait sincère et objective, hein, en disant il y a un groupe de gens qui ne sauraient pas définir ce qu'est un métal, comment est-ce qu'on les appelle ? On les appelle des experts en physique des métaux. D'accord ? Tout simplement parce que si on est dans l'optique de la condition nécessaire et suffisante d'appartenance qui représente la définition, avec un grand L ou avec un grand D, ça ne marche pas. Et donc, pas de définition. Alors après, il y a la question de l'homogénéité. Et là, il y a tout un ensemble de travaux très, très abondants qui montrent qu'en fait, il n'y a pas moins homogène que les catégories. Et il y a plein de manières de s'en rendre compte. Alors, par exemple, il y a un effet très connu qui est l'effet de typicité catégorielle qui revient à dire qu'est-ce qui nous saute d'abord aux yeux lorsqu'on évoque une catégorie. Et donc, si je vous demandais, par exemple, de donner trois noms de fruits, eh bien, je peux déjà vous dire qu'il y aura trois quarts de pommes dans vos...
dans vos noms de fruits. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, il y a tout un ensemble d'indicateurs qui vont bien au-delà de ça. Par exemple, le temps de dénomination, quand vous montre une photo pour dénommer la catégorie à laquelle ça appartient. Ou encore des choses un petit peu fines. Par exemple, si on mesure les temps de lecture de la phrase comme la dernière qui est affichée en bas, la poule était à quelques mètres, l'oiseau s'approcha lentement, eh bien, ce temps de lecture va être directement fonction de la typicalité du référent de l'anaphore. C'est-à-dire que vous voyez que pour comprendre cette phrase, il y a un moment, il faut bien se dire que l'oiseau, c'est la poule. Okay ? Eh bien, si c'est un pigeon, ça va aller plus vite que si c'est une autruche, etc. D'accord ? Donc, on a des indicateurs assez fins. Alors, sur la question des frontières, là encore, en fait, on peut prendre n'importe quelle catégorie et se dire comment je vais en titiller ces marges, comment je peux aller un peu vers la frontière et créer de la confusion. Et par exemple, alors là, vous avez quelques cas sur lesquels on a des données expérimentales. On peut, peut-être même expérimenter ensemble, parce que c'est toujours amusant de se rendre compte que il y a des choses qu'on pense et que nos voisins ne pensent pas la même chose. Hein. Et je ne sais pas, prenons peut-être juste le dernier, mais si je vous pose la question, est-ce qu'un pouf est un meuble, et que vous cherchez à la réponse dans votre tête d'abord, tout le monde s'est fait sa réponse? Alors, qui pense que oui? Est-ce que vous pouvez lever la main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui pense que non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez ? D'accord. Alors, bien entendu, la poufitude ou ce qui fait d'être un meuble ou pas, c'est quelque chose de très subtil. OK ? Oui, alors, sur la question de la relation au contexte, hein, comme je vous l'avais dit, il y a souvent l'idée que les conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance, ça évoque le fait que on y est ou on n'y est pas, et ça ne dépend pas du contexte, on est une table, on n'est pas une table, etc. Alors, en fait, il y a plusieurs choses que ça évoque. Par exemple, vous prenez un objet. Donc ici, c'est le vieux piano qui est dans le salon. Vous voyez que selon le contexte, on va évoquer plutôt le fait que c'est un instrument de musique, mais si jamais on est dans un déménagement, ça devient plutôt un meuble. Dans d'autres cas, ça, on peut dire que c'est un nid à poussière, ou ça peut être au contraire le signe qu'on est des gens vraiment cultivés et sympathiques à fréquenter. D'accord ? Donc, ce sont des catégories bien différentes. Et de la même façon, parfois, il y a le débat de la tomate. Non, c'est pas un légume, c'est un fruit. C'est quelque chose aussi d'un peu absurde, parce que le légume, c'est de toute façon pas une catégorie scientifique. Et donc, la tomate est tout autant fruit que légume. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste qu'elle est légume à la cuisine et elle est fruit dans le cours de botanique. Comme ça, les entités naviguent très... très très facilement d'une catégorie à une autre. Vous voyez ici, c'est un exemple qui a attiré mon appareil photo parce que ici, bien sûr, c'est un citronnier, mais certains avaient tendance à considérer que c'était aussi un cendrier. Ou si je vous demande, est-ce que ce sont tous des trombones? Alors, en un sens, on peut dire oui, mais vous voyez que celui du centre, c'est aussi une guitare. Donc, on peut être à la fois trombone et guitare. On peut aussi noter de la même façon que, ici, vous avez tout un ensemble de termes qui sont assez facilement... tout le monde sera d'accord que ce sont des noms de catégories. D'accord ? Et ces noms de catégories, en fait, peuvent toutes désigner une même entité. D'accord ? Et selon le contexte, on va comme ça passer, sans s'en rendre compte, d'une catégorisation à une autre. Et c'est ce qu'on fait en fait en permanence, c'est-à-dire que tout à l'inverse, hein, de l'idée que les entités du monde
ont une espèce d'identité catégorielle. À l'inverse, notre cognition passe son temps à passer d'une catégorisation à une autre, et vous voyez qu'on peut être tout ça à la fois. Si au lieu de prendre un être, une entité quelconque, un nom, oui. Mais on prend le couple que forme l'être en question et la relation qu'on a vécue, ou l'action qu'on a sur lui, à ce moment-là, le concept se définit d'une façon claire, par contre. Si je reprends les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, c'est-à-dire le concept est adéquat à l'objet, au couple que forme l'objet et une relation ou une action, quoi qu'on en soit, quoi qu'on dise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faudrait m'éclairer. Ouais. Parce que pour, si on reprenait les exemples que vous avez donnés tout à l'heure... Oui, lequel, par exemple ? Revenez un peu en arrière, s'il vous plaît, dans vos transparents. Avant. Voilà. Le piano est un instrument de musique si on veut faire de la musique ou si on a encore de musique à donner. C'est un meuble si on a un déménagement à faire. C'est un nid à poussière si on veut simplement exhiber qu'on est cultivé, qu'on a un piano chez soi. Une tomate est un fruit si on fait un cours de botanique. C'est un légume si on fait un cours de cuisine, etc. Donc à chaque fois, à l'être matériel considéré, s'associe un concept à partir du moment où on a une action à faire avec lui. Je pense que là, vous reformulez le fait que les catégorisations sont contextuelles. Oui, elles sont contextuelles, le contexte étant la relation qu'on a avec l'objet. Oui, si vous voulez définir le contexte de cette manière, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut aussi garder en tête tous les autres aspects qu'on a vus sur les concepts, c'est-à-dire l'idée que c'était un continuum d'appartenance, que les frontières étaient floues, que la constitution des concepts sont hétérogènes. Et après, si vous pensez que c'est une bonne définition du contexte que de se fonder sur la relation qu'on a avec l'entité, c'est une manière effectivement de l'envisager. Alors, une façon aussi de décrire les concepts ou de penser aux concepts, c'est de se rendre compte que les concepts, ça va bien au-delà des mots, d'accord, et que les concepts, ce sont pas simplement, donc évidemment pas simplement des entités du monde, mais ce sont aussi, par exemple, des expressions figées. Et par exemple, quand on dit « vider son sac » ou « faire d'une pierre deux coups » ou qu'on utilise un proverbe comme « chat échaudé craint l'eau froide », en fait, on est en train d'évoquer un concept, même si on ne s'en rend pas spontanément compte. Et par exemple, si je dis « faire d'une pierre deux coups », alors c'est intéressant les expressions figées parce que ça montre à la fois la facette analogique et la facette conceptuelle. Parce que quand je dis « faire d'une pierre deux coups », ben, je peux normalement savoir quelle est la pierre, quels sont les coups que j'ai faits, d'accord ? Donc, par exemple, si vous offrez à quelqu'un quelque chose dont vous aviez envie de vous débarrasser, c'est pas très sympathique, mais ça peut arriver, hein. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'ai fait d'une pierre deux coups ? Parce que... Alors, vous avez fait plaisir, ça c'est un des coups. L'autre coup, c'est vous en êtes débarrassé. D'accord ? Ok ? Oui, c'est ça. Donc, on arrive à dire quelle est la pierre, quels sont les deux coups. Chat échaudé craint l'eau froide. Oui, voilà, c'est ça. Le chat échaudé craint l'eau froide. Vous venez de vous faire dérober votre téléphone dans un transport en commun, par exemple. Le lendemain, vous êtes crispé sur votre téléphone, même dans le salon de thé. D'accord ? Ça, c'est chat échaudé craint l'eau froide. Ça veut dire que chat échaudé craint l'eau froide, ce n'est pas du tout un homme averti en vaut deux. Hein. C'est vraiment l'idée de la surprudence, hein, c'est-à-dire... un événement traumatique s'est produit, et dans ce cas-là, on va faire preuve d'une prudence jusqu'à craindre l'eau froide. Et selon les langues, d'ailleurs, c'est un concept qui est assez partagé. Par exemple, en chinois, on a le fait que celui qui a été mordu par le serpent va avoir peur même du petit lézard. Et en bulgare, être bien dans le sens de la tradition parce que celui qui s'est brûlé en mangeant va souffler même sur le yaourt. D'accord ? Et donc, vous voyez en tout cas que ces expressions, elles vont... Pardon ? Non. Ah, je vous assure. Ah, oui. Ah, oui, je vous assure. En russe, on se brûle avec du thé, je crois, mais en bulgare, on souffle sur le yaourt. En russe, pardon, c'est quoi ? En russe, il y a l'idée de cette... Je crois qu'on s'est brûlé en buvant du thé.
Et après, on souffle même sur ce qui est froid. Je sais. Ouais. Oui. Sur la vodka. Oui, ça je ne crois pas. Là, ça serait inventé. Est-ce que vous cherchez une expression russe qui collerait ? Ouais. Non, mais j'en ai connu. Oui. Les Russes en ont deux, trois fois plus que nous. Oui, ok, donc... Elle doit faire partie du stock, alors. Elle doit faire partie du stock. En tout cas, ça me semble une façon importante de voir aussi les concepts, c'est de se dire que ce sont des situations. Et ces situations évoquent des concepts, et ce sont ces concepts qui permettent de donner sens aux situations. Et vous voyez que c'est parce qu'on a le concept « chat échaudé craint l'eau froide » qu'on peut repérer ce type de situation. Et c'est la même chose pour les fables, et c'est peut-être encore plus clair quand on prend le cas des fables. C'est, vous voyez ici, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cette fable d'Ésope, qui a été reprise, voilà, qui a eu une postérité, pour dire les choses gentiment, qui a une postérité, et dans laquelle vous avez un renard qui voulait absolument manger des raisins, qui fait tous les efforts du monde pour les attraper, qui n'y arrive pas. Et en conclusion, il dit, ils sont trop verts, ou ils étaient aigres, bons pour les goujats, exactement. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est désiré, quelque chose dont on a envie, on n'arrive pas à l'avoir, et qu'est-ce qu'on fait ? On le dénigre, d'accord ? On dit, de toute façon, j'en voulais pas. Ok ? Et cette situation... c'est un concept, d'accord ? Vous voyez qu'ensuite, vous êtes en interaction avec votre voisin et qu'il vous dit « Ah ben, heureusement que je n'ai pas réussi à avoir ça », vous pouvez penser au raisin, d'accord ? Et puis, ça va vous donner une certaine façon de décoder ce qui est en train de se passer, d'accord ? Un certain mécanisme de pensée. Et ici, vous avez comme ça quelques cas, qui sont des cas peut-être un peu... Enfin, assez clairement dans la catégorie, un peu variée. Vous voyez, le premier, c'est quelqu'un qui a réservé une table au restaurant, qui a été retardé par des embouteillages. Du coup, la réservation est annulée. Donc, il arrive avec sa copine, sans réservation. Enfin, il est viré du restaurant et il dit « Ah, ce quartier regorge de restos sympas, c'est tellement plus romantique d'en découvrir un ensemble. » Ou le deuxième, vous avez un homme politique qui vient d'échouer à une élection après s'être battu et avoir donné tout ce qu'il avait. Et il se dit, par cet échec, qu'il est en train d'acquérir une nouvelle dimension. Vous avez ensuite un professeur qui a fait tout ce qu'il pouvait pour être élu à la tête du département. Mais à la fin, c'est son concurrent qui l'emporte. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses collègues, hein, ce département était ingérable, je vais enfin pouvoir me consacrer à la recherche, tant mieux, etc. D'accord ? Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver la fin de ces histoires. Et ce sur quoi il est aussi intéressant d'insister, c'est que c'est vraiment presque le cœur de la pensée humaine d'être capable de trouver ce qu'il y a de commun à ces situations. Et c'est quelque chose que, pour l'instant, l'intelligence artificielle fait très mal. D'accord ? C'est-à-dire que si on a vraiment quelque chose qui nous différencie de Google, très très clairement, c'est cette faculté à trouver évident ces rapprochements qui est en fait extrêmement difficile à algorithmiser. D'accord ? Et si jamais on attendait d'un moteur de recherche qui nous trouve les analogies entre ces situations et de voir que ce sont des cas de des raisins sont trop verts, vous voyez qu'on en est très très loin d'être très très loin d'être là. Ça, c'est faire contre mauvaise fortune, bon cœur, tout ça. C'est pas incompatible. D'accord ? C'est justement... Mais c'est une autre façon de le voir, c'est-à-dire que faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est un peu le versant positif de la chose, mais les raisins sont trop verts, vous avez aussi des cas de mauvaise foi patents, qui sont les raisins sont trop verts et qui ne sont pas vraiment faire contre mauvaise fortune bon cœur. Donc là, on est justement dans cette idée que les concepts, ce sont des manières, des perspectives qu'on a sur les choses. Et les catégories, parfois, ne sont pas lexicalisées. Hein. C'est-à-dire que ici, on a des catégories pour lesquelles il y a des mots, mais parfois, il n'y a pas de mots.
D'accord ? Pourtant, on les partage. Ici, j'ai pris deux exemples. Hein. Je pense que vous serez d'accord qu'ils font partie de nos concepts culturellement intégrés. Par exemple, vous êtes à une soirée et puis il reste une olive ou une chips ou une part de quelque chose. Et puis, il y a toujours ce petit moment de gêne dans lequel on sait qu'il faut quand même bien que quelqu'un un jour la mange. Et puis, on a l'impression que c'est peut-être un peu mal poli de se jeter dessus. D'accord ? Et c'est quelque chose qui... Pardon ? Aussi, on peut... Voilà, ça c'est une façon de se... Voilà, c'est ça. C'est une façon de se donner aussi, de se sentir tout à fait à l'aise en le faisant. Mais c'est vrai que ça peut être une motivation. En tout cas, je pense que quand je vous ai évoqué cette situation, tout le monde la reconnaît. D'accord ? On reconnaît tous ces moments où on était comme ça, il fallait bien que quelque chose se passe. Et on n'a pas de mots dans notre langue pour la désigner, cette catégorie. Pourtant, c'est une catégorie de situations qui sont bien sûr analogues entre elles. D'accord ? On repère très bien l'analogie entre ces situations. Et dans certaines langues, d'ailleurs, elles peuvent être lexicalisées. En espagnol, c'est le cas. D'accord ? Et en espagnol, ça ne va pas tout à fait dans votre sens, mais en espagnol, ça s'appelle le morceau de la honte. Oui. Ouais. Autre exemple, peut-être un peu moins immédiat, mais qui, à mon avis, va être aussi parlant, c'est les automatismes que l'on peine à réactualiser. C'est par exemple le code de votre immeuble a changé. Qu'est-ce que vous faites ? L'ancien code, d'accord ? Et vous avez changé de voiture, vous ne trouvez pas où vous l'avez garé parce que, en fait, vous êtes en train de chercher l'ancienne. Vous venez de changer de travail, vous prenez votre voiture et vous vous rendez compte que vous êtes parti sur le chemin de l'ancien. On vous demande votre âge et puis vous redonnez l'âge que vous aviez quelques jours avant votre anniversaire. Vous signez un chèque en janvier, vous mettez l'année d'avant. OK ? Donc tout ça, c'est analogue, d'accord ? Il y a une analogie forte entre ces situations. Et cette analogie, c'est justement le fait d'être des automatismes qu'on peine à réactualiser. Il n'y a pas de mots, d'accord ? Bien sûr, on peut les décrire. Hein, c'est grâce à des mots que je vous en parle, mais elles ne sont pas dans notre stock lexical. Et puis, alors, ça sera... peut-être vers là que je conclurai pour qu'on ait du temps d'échange. Une manière aussi de s'intéresser aux analogies, c'est d'étudier la façon dont le vocabulaire se développe. Et il y a un phénomène qui fait l'objet maintenant de travaux empiriques assez développés, qui est qu'à partir de l'âge de 2-3 ans, mais en fait c'est quelque chose qui ne disparaît jamais, les enfants font ce qu'on appelle des approximations sémantiques. Et la manière dont ils utilisent le langage est un indicateur tout à fait intéressant de leur concept, de l'état de leur concept, on va dire, et des analogies qu'ils font. Et vous voyez que quand Camille dit « j'ai déshabillé la banane », c'est évidemment, pour nous, c'est encore plus clair que c'est une analogie, d'accord ? Parce qu'on a bien séparé toutes ces notions, on n'a pas l'idée qu'on déshabillerait un fruit. Mais pour Camille, ça indique l'extension de son concept de déshabiller, c'est-à-dire qu'elle se dit « bon, déshabiller, c'est enlever quelque chose qui entoure les... » Et d'une certaine façon, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est une façon aussi de repérer un peu l'essence des concepts que d'étudier ce vocabulaire enfantin, parce qu'on voit des aspects qui sont profondément analogues à des niveaux abstraits qu'on a oublié d'une certaine manière. Et donc les exemples suivants illustrent aussi ce décalage qu'il peut y avoir entre les concepts adultes et les concepts enfants, où en même temps on arrive bien sûr très très bien à comprendre. Quand Johan dit « Maman, allume tes yeux », on sait bien ce qu'elle veut dire, hein,
D'accord, on comprend où est l'analogie, pourquoi Johann dit ça. Ou lorsque Tom demande combien de temps ça dure un cochon d'Inde, donc là c'est un enfant de 8 ans, vous voyez que c'est juste pour dire que ça ne s'arrête pas, cette façon de faire des approximations sémantiques. Alors combien de temps ça dure, est-ce que ça veut dire qu'il a un cœur de pierre et que pour lui la vie ça n'a aucune importance? Ça ne veut certainement pas dire ça, d'accord. Ce que ça veut dire pour lui, c'est que l'idée de « ça dure », c'est pas, ça indique pas qu'on a considéré que c'était un objet, c'est-à-dire qu'on a tous des durées, ok. Et c'est une façon de voir les choses qui est pas dénuée de sens. Hein. Ou encore, « ta cigarette est en train de fondre hein, », vous voyez que, bien sûr, un adulte ne dirait pas ça, mais c'est intéressant aussi comme analogie. Les adultes, parfois, continuent à... simplement, la différence, c'est qu'on... ça nous échappe, mais le fait que ça se produise tout de même, ils ont des indicateurs très forts aussi de la façon dont nos concepts... sont construits, continuent à fonctionner. Et vous voyez le premier exemple qui est sûrement assez parlant et vous voyez que c'est pas du tout farfelu comme cas. On vit tous ce genre de situation où donc quelqu'un raconte... après, on peut s'interroger sur la relation du couple, mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc quelqu'un qui dit qu'elle a vu un film finlandais où quelqu'un traverse l'Amérique avec une dinde et son mari la corrige ou lui rappelle en tout cas que ce n'était pas finlandais mais islandais et que la personne transportait une noix. Vous voyez ces proximités sémantiques qui font que bien sûr c'est Finlande-Islande mais ce n'est pas Finlande ou Pérou et c'est une dinde et une noix mais ce n'est pas une dinde et une vache et voilà, d'accord. Et donc on a des... le suivant aussi est intéressant parce que c'est quelqu'un qui raconte une recette de cuisine et vous voyez la confusion. Là encore, c'est un peu subtil hein, quand on regarde. Il va dire les pâtes, elles sont provisoires, alors qu'il veut dire facultatives. Et on comprend quand même pourquoi on peut se tromper. D'accord, bien sûr, c'est évidemment une erreur. Hein, c'est clairement une erreur, mais en même temps, il y a l'idée de quelque chose de contingent. D'accord, il y a la contingence qui est présente, d'accord, mais cette contingence, dans un cas, elle a été temporalisée, et dans l'autre cas, il faut dire que c'est optionnel. Donc, c'est deux incarnations de la contingence qui, bien sûr, c'est faux, mais en même temps, on comprend bien l'analogie qui la sous-tend, ou quelqu'un qui dit « je vais éteindre les volets au lieu de les fermer », d'accord, ou qui demande « quand est-ce que les magasins vont se terminer ?» Donc, c'est une faute de français, hein, sans aucun doute. Mais en même temps, on voit aussi la... Pardon ? Oui. La oui, absolument. On peut fermer la lumière. Mais ça je pense que c'est assez intégré dans la langue. L'erreur n'est peut-être pas sur le verbe « terminer », d'ailleurs. Elle est peut-être sur le magasin, les horaires de magasin. Oui, oui. Ça peut jouer sur... Oui, oui, absolument. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, ce type de décalage entre le bien parler et puis les termes qui parfois nous échappent sont aussi des révélateurs de la manière dont nos concepts continuent à être organisés. Bon, j'ai l'impression que le plus simple, c'est de considérer qu'il est 8 heures, c'est le bon moment pour discuter, étant donné que j'ai essayé de vous donner un peu un aperçu par... De la manière dont vraiment l'analogie est omniprésente à la fois dans la façon dont on conçoit notre environnement, dans la façon dont on construit nos concepts, dans la façon dont on les développe, dans la façon dont un enfant appréhende le monde et tout au long de notre vie on continue à l'appréhender. Le fait aussi que les concepts ce sont tous sauf des entités mentales figées, c'est-à-dire qu'un concept, c'est quelque chose de dynamique qui évolue tout au long de la vie, justement grâce à des analogies successives qui nourrissent le concept, qui le font se développer, et qui font que bien souvent, quand on cherche, quand on se pose des questions, par exemple, de communication, ben on peut se demander les liens qu'il y a entre les concepts des personnes qui communiquent au-delà des mots
qui sont utilisés. Donc ça peut aussi donner des cadres assez opérationnalisants pour certaines études. Et puis le lien à la fois la présence dans la psychologie quotidienne, c'est-à-dire que vous voyez que le fait de lexicaliser un concept comme Cahuzac, c'est quelque chose de tout à fait naturel, qu'on fait sans y penser, et que c'est le même phénomène qui va faire que Galilée enlève la majuscule à la Lune, et qui fait aussi qu'un enfant va petit à petit se rendre compte, par exemple, que lorsqu'on parle de la bosse d'un chameau, d'un dromadaire, eh bien, on peut avoir une bosse sans s'être cogné. D'accord ? C'est la même... ces analogies qui font émerger les concepts. Il y a tout un champ dont on aurait pu parler, mais il faut faire des choix, où j'avais un peu amorcé avec le terme de clé, qui est les mots du numérique. Les mots du numérique, c'est tout à fait intéressant pour se rendre compte de, quand on dit un bureau, par exemple, d'accord, le bureau informatique, comment est-ce qu'il a fait évoluer le concept de bureau, c'est-à-dire le concept de bureau pré-numérique. C'était forcément un meuble, il était forcément lourd, il était forcément encombrant. D'accord ? Et maintenant, lorsqu'on parle de bureau, on a l'idée qu'un bureau, ça ne prend pas forcément de la place. D'accord ? C'est un espace où on peut faire des activités, où on peut travailler. Cet espace, il peut être tangible, mais il peut aussi être dématérialisé. Et ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Et si vous dites, cet après-midi, j'ai passé une heure à ranger mon bureau... C'est voilà, on ne sait pas et c'est pas grave, d'accord. Tout comme quand vous dites j'ai bu un café, c'est pas important qu'il soit serré, allongé, crème, d'accord. Vos bureaux, ça peut être le virtuel ou le matériel.